Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes chaînes YouTube. Je vais te faire le bilan de chacune de mes deux chaînes YouTube. On va commencer par celle sur laquelle tu regardes cette vidéo, à savoir Florian Rentier à 30 ans. Et ensuite, on parlera de la deuxième chaîne, Florian Frontalier Suisse. Pour commencer, sur les 28 derniers jours, c'est la première fois que je ne gagne pas d'abonnés et même que j'en perds, ce qui est tout à fait logique en soi parce que je n'ai publié que très peu de vidéos, je n'ai accordé que très peu de temps à YouTube ce mois-ci parce que j'avais énormément de travail. Donc, sur les 28 derniers jours, j'ai non pas gagné, mais j'ai perdu 3 abonnés, ce qui n'est pas grave, c'est comme je te le dis compréhensible du fait de ma très faible activité. Et c'est déjà bien que j'ai pas perdu beaucoup plus d'entre vous. Au niveau du nombre d'heures de visionnage sur les 28 derniers jours, on a eu 59h30 de visionnage, ce qui est très faible par rapport à ce que j'avais avant, mais c'est pareil, c'est normal, c'est parce que je ne publie que très peu de vidéos. Évidemment, quand j'aurai une situation plus stable, un petit peu moins de travail, etc., j'aurai beaucoup plus de temps à allouer à YouTube et donc à passer pour faire des vidéos, et je le ferai avec grand plaisir. Ensuite, au niveau du nombre de vues sur les 28 derniers jours, on est à 1100 vues sur les 28 derniers jours. Ce qui est pareil en soi un chiffre relativement intéressant, relativement élevé. Il y a 1000 personnes qui ont regardé mes vidéos, c'est quand même très cool, mais c'est beaucoup plus faible que les mois précédents. Et au niveau du nombre d'impressions, pareil sur le mois de juin, donc sur les 28 derniers jours, on est à 23 800 impressions, donc il y a quand même 23 800 personnes qui sont tombées sur une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc. Ensuite, au niveau du nombre total d'abonnés, on est à 769 abonnés sur la chaîne, donc contre 772 le mois dernier. Au niveau du nombre d'heures de visionnage, on est à 3579 heures de visionnage, 80 344 vues, et donc au total, hein, ce qui est très bien. Et le nombre d'impressions s'élève maintenant à 1 391 830. C'est-à-dire qu'il y a 1 391 830 personnes qui sont tombées sur mes vidéos, sur les miniatures de mes vidéos. Et donc, parmi ces 1 391 830, il y en a 80 344 qui ont regardé une de mes vidéos. Ensuite, au niveau de l'âge de mon public, des personnes qui ont regardé mes vidéos, sur les 28 derniers jours, on est sur les 25-34 ans et 55-64 ans. Donc la tranche 25-34, c'est pas étonnant, comme je le dis tous les mois, c'est les personnes, les jeunes actifs qui ont eu leur premier salaire qu'ils estiment trop faible, ils cherchent un complément de revenu et c'est une très bonne chose, et donc ils regardent mes vidéos. Et pour la tranche des 55-64 ans, c'est donc la pré-retraite, et donc même le début de la retraite pour certains, et pareil, ils cherchent à investir leur argent, à avoir un complément de revenu, un complément de retraite. Ce qui est une très bonne chose aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de moins de 24 ans, donc de pas beaucoup, en tout cas de 18-24 ans, qui s'intéressent à ce sujet. Au niveau du sexe, je suis très étonné ce mois-ci, puisque d'habitude on est à peu près à 90% d'hommes pour 10% de femmes. Ce mois-ci, c'est impressionnant, on est à seulement 58,8% d'hommes pour 41,2% de femmes. Donc pratiquement la moitié de mon public sont des hommes et des femmes, donc c'est pratiquement mixte, on est pratiquement sur une parité. Ce qui est assez étonnant en parlant d'argent, donc je verrai le mois prochain si les chiffres se vérifient ou si c'était une petite anomalie ce mois-ci, un regain d'intérêt des femmes pour ce sujet ou si c'était peut-être même simplement un bug. Ensuite, au niveau des abonnés VS non abonnés, il y a donc 63,7% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées donc 36,3% qui sont abonnés. C'est pareil, ça monte un petit peu par un petit peu, j'ai l'impression. On a de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées, donc qui sont des abonnés, des spectateurs réguliers, mais ça reste encore très faible et les deux tiers de mon public ne sont pas encore abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore le cas. Et au niveau des revenus publicitaires, sur les 28 derniers jours, je n'ai généré absolument rien du tout, absolument 0 euro sur cette chaîne et sur l'autre également. Mais voilà donc pour le bilan de cette chaîne. Et pour la chaîne Florian Frontalier Suisse, elle se porte beaucoup mieux. Elle n'a pas perdu d'abonnés ce mois-ci, mais elle en a gagné. Elle en a gagné 71, ce qui est normal également parce que j'ai été plus actif, j'ai plus publié de vidéos. Alors, ça n'est que des vidéos qui étaient programmées depuis février. Je les ai tournées en février. Voilà, c'est tout de même, il y a eu plus de vidéos publiées. Donc, la chaîne voilà, gagne un petit peu en public, en popularité. Mais je n'ai absolument aucun temps à y accorder ce mois-ci, donc
je n'ai fourni aucun effort ce mois-ci en particulier. Évidemment, j'avais fourni les efforts pour scripter les vidéos, les tourner, les publier, faire la miniature, la description, etc. En février. Donc, ces efforts de février payent maintenant. Mais ce mois-ci, je n'ai eu aucun temps à y accorder pour tourner ou préparer d'autres vidéos. Donc, à partir de mi-juillet, je n'aurai plus de vidéos qui sortiront automatiquement et je vais donc devoir en retourner. Ensuite, donc 71 nouveaux abonnés sur les 28 derniers jours, c'est très bien. 197 heures de visionnage, 3700 vues sur les 28 derniers jours également et 42 000 impressions sur le mois de juin, sur les 28 derniers jours. Ensuite, au niveau du nombre total d'abonnés, on était au 28 juin quand j'ai fait ce bilan, ou 29 juin, on était à 753 abonnés. La chaîne a très bien marché depuis et j'ai pris plus de 20 à 30 abonnés sur les 10 derniers jours à peu près, puisque je te tourne cette vidéo le 5 juillet. Et donc maintenant, on a dépassé la chaîne Florian Rentier à 30 ans, qui était donc, je le disais, à 769 abonnés. Donc là, la chaîne Florian Frontalier Suisse, qui était à 753 lors du bilan, a maintenant dépassé. Donc elle doit être à 775, à peu près 780, je crois même. Donc ça marche très très bien, ça continue de monter, ça fait très plaisir. 753 abonnés, donc au moment où j'ai fait le bilan, 1764 heures de visionnage au total, 32 413 vues au total également depuis la création de la chaîne, et 428 948 impressions. Donc on voit par exemple que sur la chaîne Florian Rentier à 30 ans, on a 1 391 830 impressions depuis la création, donc pratiquement 1 400 000, et là on est à 428 000 depuis la création, donc à peu près un tiers, voilà à peu près, hein. On est donc sur un nombre d'abonnés équivalent, voire même maintenant supérieur, donc on a un engagement qui est plus de 3 fois supérieur à la chaîne Florian Rentier à 30 ans. Au niveau de l'âge du public, on est pratiquement exclusivement à plus de 80% sur la tranche des 25-34 ans, ce qui est normal, d'autant plus que là, on peut pas vraiment cibler des 45-54 ans ou voilà un public assez âgé qui ne va pas entamer de reconversion professionnelle ou en tout cas de changement de vie, de déménagement avec la femme, les enfants qui suivent, etc. etc. Les crédits auto, maison et compagnie. Par contre, sur la tranche des 18-24 ans, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de monde, mais malheureusement, en sortie de bac ou sortie de premières études, de petites études bac plus 2, 3, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse encore à aller travailler en Suisse. J'ai l'impression que tout le monde a besoin de toucher pendant 4 ou 5 années le SMIC ou un salaire en tout cas inférieur à 2000 euros pour se rendre compte que selon les ambitions qu'on a et nos projets, ça n'est pas forcément ce qui nous permettra d'y arriver, en tout cas d'y arriver assez rapidement. Donc les 25-34 ans sont la tranche qui logiquement devrait être la plus touchée et sont la tranche qui le sont à plus de 80% de mon public. Au niveau du sexe, on a 94,3% d'hommes et 5,7% de femmes. Donc là, le chiffre me choque un petit peu moins que sur la chaîne Florian Rentier à 30 ans. Au niveau des abonnés, on a 85,4% du public qui n'est pas abonné pour 14,6% seulement qui sont abonnés. Et malgré ça, on a proportionnellement plus de personnes qui s'abonnent sur cette chaîne que sur la chaîne Florian Rentier à 30 ans, ce qui montre bien que l'essor est relativement récent. Et au niveau des revenus publicitaires, on est à 0 euros également. Alors après, quand je te dis qu'on est à 0 euros, c'est sur les revenus de YouTube. Évidemment, j'arrive à faire un tout petit peu de parrainage. Alors ce mois-ci, j'en ai pas eu, mais en général, j'arrive à avoir un ou deux parrainages. Donc à faire entre, on va dire, 10 et 50 euros par mois avec le parrainage. Et ça me fait également du réseau qui n'a pas de valeur, hein, qui est inestimable. Parce que j'ai un groupe Telegram maintenant qui compte à peu près 400 personnes sur le thème des frontaliers suisses, donc on va dire les deux tiers pratiquement des abonnés de la chaîne, ou presque, voilà, un petit peu moins de la moitié, un petit peu plus que la moitié, ont rejoint le groupe Telegram et discutent, prennent les infos, etc. Donc c'est très intéressant d'avoir des personnes intéressées par la Suisse et des personnes de tous horizons, de tous corps de métier pour pouvoir discuter de tout ça. Et j'ai également trouvé un colocataire pour l'appartement que je loue actuellement, donc qui me paye un loyer. J'ai également des personnes intéressées éventuellement par les biens, les appartements que je viens d'acheter et d'autres que je suis encore en train d'acheter pour me les louer. Donc ça me permet de me créer un réseau et de gagner de l'argent autrement que par les revenus YouTube qui
le jour où j'en toucherai seront un plus et seront très appréciables, mais ne seront jamais des milliers d'euros par mois, en tout cas sur une petite chaîne comme celle-ci, si je ne professionnalise pas l'activité. Ce que j'envisagerai peut-être de faire dans quelques temps, mais pas pour l'instant. Je fais ça à but purement hédoniste, purement gratuit, pour rendre service et donc pour me créer un réseau qui, eux également, vont me rendre service, etc. etc. Donc, dans un but d'entraide plutôt que dans un but commercial. Même si je ne dénigre absolument pas le fait de faire une chaîne YouTube pour faire de l'argent, parce qu'à terme, je pense que j'en ferai. Donc voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo bilan de mes deux chaînes YouTube. N'hésite pas, si tu as des questions à me poser, à les poser en commentaire de la vidéo ou à me les poser dans les groupes Telegram en lien dans la description. Il y a un groupe Telegram Florian Rentier à 30 ans, on va parler bourse, investissement, finances personnelles, etc. Et potentiellement crypto-monnaie, business ou autre chose en rapport avec le fait de pouvoir être rentier, de pouvoir en tout cas avoir des compléments de revenus pour ceux que ça intéresse. Et j'ai un autre groupe Telegram où on est à peu près 400 et où là ça parle de frontalier suisse, de faire de l'argent donc en tant que salarié en Suisse. Donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe si cela peut t'intéresser et n'hésite pas à aller voir la chaîne Florian Frontalier Suisse si jamais ça peut t'intéresser également d'avoir quelques infos sur les salaires de certains métiers comme livreur Uber Eats, taxi ou banquier par exemple. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.